Moi, je restaure les meubles anciens, je suis restaurateur. C'est un métier qu'on classe avec les ébénistes. C'est-à-dire, l'ébéniste, au départ, c'était celui qui faisait le plaquage de bois. Au tout début, on a commencé à plaquer les meubles avec de l'ébène. C'est les meubles, on appelle ça florentin. C'était les premiers meubles, on dira, qui étaient plaqués. Et comme c'était de l'ébène, ça a donné le mot ébéniste. Moi, mon métier, c'est refaire les meubles. C'est-à-dire qu'à la longue, le métier d'ébéniste, c'est devenu celui qui fait les meubles, et le menuisier, celui qui fait les portes, les fenêtres, les cuisines, tout ce qui est menuiserie. Le restaurateur de meubles, il doit savoir faire un peu tous les métiers qui intervenaient sur un meuble. C'est-à-dire, savoir la ferronnerie, il faut savoir la marbrerie pour tout ce qui est marbre au-dessus, savoir reconnaître de quelle époque est le meuble pour pouvoir justement aller chercher un bois de cette époque pour pas mettre un bois qui est trop récent ou pas assez récent. Sinon après ça choque, on va voir les pièces vont choquer. Essayer de rechercher la façon dont travaillaient les personnes avant nous, faire le geste des anciens. Là, je refais des pièces qui sont manquantes, c'est un socle de meubles. Il manque trois crosses, il faut refaire les crosses à l'identique comme elles étaient faites avant. En sachant que si on regarde bien, chaque crosse est différente. Que le menuisier ne faisait jamais exactement la même, sinon c'est des machines qui le font. Chacune a son petit défaut, sa petite différence. On prend le modèle, on va l'ajuster sur le socle et je le sculpte comme il était fait avant. Après, on va quand même laisser un défaut de couleur ou un défaut pour voir que c'est pas lui qui l'a fait ou que ça a été refait plus tard. On m'a demandé de refaire une colonne pour un meuble d'église. Il y a une colonne qui est à gauche et il manque celle de droite. Elle a disparu avec le temps. Donc je vais la refaire à l'identique, la sculpter. Et Madame Belleroy va faire la dorure derrière. J'ai déjà dégrossi la pièce. J'en ai fait un carré. De ce carré, on va en faire un rond. Je le mets sur le toit à bois pour l'arrondir complètement. Dès que j'ai le rond, je vois déjà un peu mieux la pièce. Je vais dégager le chapiteau, la base et le fût. Le fût, je vais le sculpter comme il est sur l'autre pièce, c'est ce qu'on appelle une cannelure. Et en dessous, sur cette colonne-là, il y a ce qu'on appelle la rudenture, c'est-à-dire que c'est une partie à l'intérieur de la cannelure qui est arrondie dans l'autre sens. Ça, c'est une vitrine qui va à l'église de Pinte. Et elle habille le poteau qui est à droite de l'autel. C'est une belle armoire et en plus, elles sont signées, que ce soit l'une ou l'autre, elles sont signées toutes les deux et datées. Alors là, je vais refaire une pièce qui manque, qui est cassée. C'est un enroulement floral qui avait été chantonné. Moi, je vais refaire le même. Je me suis basé sur le modèle de la partie gauche et je fais le négatif sur la partie droite pour refaire la partie qui est manquante. Comme sur l'autre vitrine, j'ai refait tout le nettoyage, j'ai sorti toutes les peintures, tout ce qui avait été appliqué avant. J'ai redonné sa patine comme si elle avait été entretenue au fil des temps et on n'était pas intervenu de façon négative dessus. J'ai refait quelques sculptures qui étaient par-ci par-là. Maintenant, elle est dans son emplacement et elle est là pour quelques temps, quelques années. J'espère le plus longtemps possible dans cet état-là et qu'elle puisse garder son éclat comme elle est actuellement. Là, je restaure un vieux pressoir. C'est un pressoir qui est resté dans une cave. Dans cette cave, on s'en est pas occupé. Les insectes en sont chargés. Bien le nettoyer, je refais les pièces structurelles, donc essayez d'en faire le minimum parce qu'il faut le garder dans son état pour montrer qu'il a été mangé et il servira plus jamais. Je refais la pièce de coulissement, c'est la pièce qui servait à guider la vis pour monter et descendre. Et je refais une pièce aussi sur la vis, la partie qui est mangée, j'essaie de trouver du bois assez simple pour pouvoir m'accrocher dessus. Je vais rentrer un morceau de bois, donc le même bois, là c'est du noyer, que je vais coller avec de la colle qui est de la colle animale. Ensuite je l'ajuste pour faire comme si elle ne manquait pas. Par la suite j'aimerais beaucoup travailler sur des beaux meubles, des meubles magnifiques et redonner vie à tout ce qui est patrimoine, que ce soit du patrimoine classé, pas classé, que ce soit du patrimoine pour les familles. Participer à redonner vie à ça, c'est magnifique. Après, la vie est pleine de surprises et tout
toujours on en apprend. Meuble sculpté, c'est déjà plus valorisant de faire des sculptures que de faire du nettoyage, mais l'un dans l'autre, le résultat à la fin quand on livre, on est content quand même, on est content de ce qu'on a fait et on est content de se dire qu'on laisse ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants, que c'est ce qu'on nous a laissé et que nous, on a participé au fait de le laisser aux autres, à ceux qui vont passer après nous et après ce sera à eux de se débrouiller. On essaie de leur apprendre un peu tout ce qu'on a fait pour eux et ce que ceux qui sont passés avant nous ont fait pour nous. Voilà.